Tu aimerais piller une grande quantité de Ganoderma en un minimum de temps, et bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une route de farm optimisée afin de piller en grande quantité des Ganoderma en un minimum de temps. Ces Ganoderma marins te permettront d'élever le niveau de Yae, le nouveau personnage 5 étoiles qui sortira en 2.5. Mais pas seulement Yae Miko, également Kazuha qui est sorti avant l'arrivée d'Inazuma et qui aura certainement un rerun d'ici peu. Comme d'habitude, il va t'en falloir 168 pour chacun, donc tu devras répéter cette route de farm à plusieurs reprises afin d'avoir la totalité requise pour améliorer ces deux personnages. On va regarder avant de commencer combien on en a dans l'inventaire. En l'occurrence, il me semble voilà, qu'on en a 87. Donc on verra à la fin combien on en aura pillé et en combien de temps. Il y a différentes zones, tu le remarqueras durant la route. Et ces zones-là sont dispersées un peu dans tout Inazuma. À savoir que dans cette vidéo, ça ne traitera pas la totalité des Ganoderma marins. Bref, on se retrouve du coup pas loin du domaine de Kamisato. Vous prenez ce TP et vous dirigez ici. On commence la route tout simplement par là. Allez, c'est parti, let's go. Un Ganoderma ici du coup, vous en aurez 4 il me semble, hein, si je dis pas de bêtises dans cette zone. Voilà, ici aussi, et un dernier au bout de cette petite île. Ok, donc ça c'est fait déjà. 5, let's go. Ensuite, on va se diriger ici, on se TP là. Donc tu verras, dans cette partie d'Inazuma, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et comme je l'ai dit, bien le but c'est quand même de piller ces Ganoderma lorsque eh bien, ils sont nombreux dans une même zone et pas dispersés un par-ci, un par-là. Le but c'est quand même d'optimiser au max le farming pour ne pas passer 20 ans. Donc là, on en a 3, une quatrième ici. Et pour terminer, on en a un ici. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, on enchaîne directement ici, on se TP au donjon. Dès que vous êtes au donjon, on va aller sur la gauche. Et en contrebas, vous aurez des Ganoderma, tout simplement. Hop là. Donc vous en avez un ici. Une Ganoderma, d'ailleurs. Peut-être c'est un Ganoderma marin ou une Ganoderma, j'en ai aucune idée, à vrai dire. Bon moi je dis 1 mais ça se trouve ça doit être une. Aucune idée, vous me direz dans le commentaire qu'est-ce que c'est exactement. Donc ça c'est terminé pour cette petite zone. On a fini finalement hein, directement cette première partie. On se dirige maintenant ici à Tatarasuna, au camp Kuju. Dans un premier temps on va se TP là. Au passage les amis, n'hésitez pas hein, à vous abonner hein, pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici vous retrouverez du coup des routes de farm optimisées comme aujourd'hui, mais pas que ça. Vous retrouverez également des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées, succès cachés et des conseils, astuces en tout genre sur Genshin Impact. Donc ici, on en a dans toute cette zone, vous allez voir. Bon, à chaque fois, vous aurez des petits mobs, hein, où vous n'êtes pas obligé de vous battre contre eux. Directement, les skips, ça ira très très bien. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Donc là, vous en avez un là. Un ici. 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 Normalement, il y aura un petit compteur sur la vidéo, donc qui sera certainement juste au-dessus de moi ou par là dans la vidéo en tout cas, de façon à vous donner un repère, savoir où c'est que vous en êtes exactement dans le nombre de Ganoderma pillés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on se TP au même TP et on va en contrebas. En contrebas, vous en avez directement en face. Vous en avez deux en l'occurrence et après directement, on ira sur la gauche. Alors dans cette vidéo, comme vous allez pouvoir le voir, hein, on va en piller quand même une grosse quantité. On verra à la fin combien on en aura, mais il me semble que c'est quand même assez conséquent. Je pourrais pas dire le nombre exact, mais on le verra de toute façon à la fin. Mais c'est vrai que ça vous permettra de réaliser peut-être allez, 2-3 fois cette route afin de pouvoir être rentable, même savoir que certainement vous avez déjà une bonne quantité de Ganoderma. C'est pas comme si ces matériaux n'étaient pas disponibles depuis un certain temps. Donc là on a fait ici, on va faire ce petit là-bas, on l'a zappé. Donc ouais, certainement que vous n'aurez pas besoin de faire cette route maintes et maintes fois. Mais sachez en tout cas que si vous avez besoin de Ganoderma, n'hésitez pas à passer sur mon Twitch les amis. Le lien de ma chaîne Twitch sera en description. Et ça vous permettra tout simplement bien de demander dans le chat si vous avez besoin
de Ganoderma, on va se TP ici en dessous de Tatarasuna. Si vous avez besoin de Ganoderma, de venir dans mon chat et me et dire tout simplement, bah, écoute, Shiru, ou même à ma commu, hein, tout simplement, si c'est possible de rentrer dans ton monde pour piller des Ganoderma afin de level up ma Yaemiko ou encore mon Kazuha à l'avenir. Donc voilà, faudra surtout pas hésiter à venir sur mon Twitch. En tout cas, le lien de ma chaîne Twitch sera en description, les amis. Faudra pas hésiter. Ensuite, on va aller là-bas. Donc là, on en a un ici. Très bien. On va retourner sur nos pas. Parce que là, c'est une zone où il y a pas mal d'eau et de profondeur surtout. Donc vous allez devoir nager. Prioriser peut-être des personnages tels que Mona ou Ayaka. Hein. Il va falloir les avoir surtout. Mais bon, si jamais vous les avez, priorisez ce genre de personnages. Vous irez beaucoup plus vite. Ensuite, on en a du coup une là. Ok. Donc là, en face... Vous en aurez deux. Hop là. Parfait. On va pouvoir traverser directement. On assure la droite. Mais pas que. Hop. Vous en avez un ici. Allez. Là-bas, vous en aurez un autre, il me semble. Voire même deux, c'est possible. Non, juste un seul. Ok. Ensuite, vous en avez un ici, et ensuite on va revenir sur nos pas et on aura quasiment terminé. Hein. On peut longer la... Quoique on va pas longer la mer, enfin la plage du moins. On va retourner en plein centre puisqu'on en a juste devant nous. Donc vous en avez un ici, puis un ici. Un autre là. On va devoir nager un peu. Hop là, et le dernier se trouve face à nous, même les deux derniers se trouvent face à nous. On va garder un peu d'endurance et puis on va traverser tout simplement. On va même longer un peu la plage. Hop là. Et le dernier là-bas. Donc là on a fait, mine de rien, une grosse partie. Hein. Après c'est vraiment basé sur des petits spawns où vous avez juste à vous TP à un endroit et à y aller en fait, hein. C'est tout simple. Vous verrez que ça va être la plupart du temps ça, hein. Pour les Ganoderma en tout cas, cette route de farm est basée sur ça, histoire de gagner un maximum de temps et ne pas perdre de temps à se déplacer à maintes et maintes endroits différents. Donc là, vous en avez deux ici, vous en avez trois autres là, et on en a aussi en face. Hop, parfait, et le dernier là-bas. Je crois qu'on a terminé toutes les zones de cette partie d'Inazuma, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est bon. Donc ça c'est fait, on va aller ici, on peut se TP là. Quand on aura sur la gauche, comme vous avez pu le voir certainement, vous me suivez. On va garder un peu d'endurance. Donc là les Ganoderma se trouvent juste en contrebas. On va pouvoir directement sauter à eux. Hop là, vous en voyez là. On en a plusieurs. 5 au total, il me semble. Donc vous en avez un ici. Vous en avez un autre là. Celle-ci est un peu chiante parce que vous devez voler jusqu'à eux. Mais en soi, ça prendra pas autant de temps que ça. Et puis vous en avez quand même... 5, donc c'est pas dégueu. Ça c'est fait. Ensuite on va aller ici, pareil, ici vous en aurez 5-6. A chaque fois en général les zones où il se trouve pas mal de Ganoderma, vous en avez 5-6 en général. Donc c'est plutôt rentable. A savoir que c'est vraiment un matériau que vous pouvez retrouver à de nombreux endroits en soi. Hein. Pas que à Inazuma. Enfin, on pouvait le retrouver à Inazuma. Enfin, c'est à Inazuma principalement, mais dans plusieurs îles d'Inazuma, justement. Et pas que dans une seule, comme certains matériaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Là, vous en avez ici aussi. Très bien. Puis ici. Et les deux derniers ici. Là, normalement, c'est fait. Ok. Ça, c'est bon. Ben là, on a fait une grosse partie. On va pouvoir se diriger ici. On va se TP à la statue des 7. On va faire tout le tour de Watatsumi. Vous allez voir, à chaque fois, il y en aura quelques-uns. Et on va en contrebas. Hop là. Donc là, vous en avez deux ici.
Au préalable, j'avais tué les mobs, mais vous en aurez certainement. Bon, comme tout à l'heure, hein, vous les skippez, et puis ça fera bien l'affaire. Donc on s'est TP ici, et on va continuer la route. Donc là, vous en avez sur la droite directement. D'ailleurs, est-ce que Yaemiko est un personnage que vous avez décidé d'avoir, ou que vous avez fait des vœux random et vous avez fini par l'avoir? Est-ce que vous êtes préparé à sa venue ou pas du tout? Ok, là il y en avait un deuxième ici, je l'ai oublié, bien ce que je me disais. Ensuite on en a un là-bas, il va falloir se déplacer jusqu'à lui. Ou alors vous venez peut-être pour Kazuha, hein. N'hésitez pas à le dire en commentaire pour quel personnage vous venez regarder cette vidéo. Ça se trouve peut-être que les Ganoderma serviront pour d'autres personnages dans le futur en soi. Pour le moment en tout cas, ça ne sert qu'à Kazuha ou encore Yaemiko. Donc là, on se trouve juste là, au pic de cette île. Normalement, il y en a, je crois, 2-3 ici. Voilà, vous en avez un là, et pour terminer, ici. On va quand même vérifier qu'il n'en reste pas d'autres. Ah, j'arrive pas à l'attraper celui-là. Ok, faut bien se poser dessus, et vous pourrez l'attraper. Ok, ça c'est bon. Terminé pour cette zone. Ensuite, on en a une dernière ici. On aura fini pour Watatsumi. Parfait. Directement en contrebas. Hop, un là. Un là. Et ensuite, on traverse et on aura un dernier. On va attendre d'avoir un peu plus d'endurance. Même pas, on n'a pas besoin. Parfait, let's go. Donc ça, c'est fait. Parfait, on va faire l'île de Seirai. Là, vous allez voir qu'on va en avoir pas mal, mais la chance qu'on a, c'est qu'ils se trouvent quasiment tous à côté de points de TP ou encore de statues des 7. Donc là, quand vous êtes au point de TP, vous allez directement derrière, vous en aurez un là, puis un ici. Ensuite, on continue par là. Et on en aura un ou deux, je crois, ici, dans cette zone. Ok, non. On n'en aura que un de plus. Donc voilà, c'est bien ce que je me disais. Hop là, le dernier ici. Ensuite, on va se TP ici, pareil. On en a juste en face de nous. Dès que vous êtes à la statue des 7, vous allez en face. Là, vous en avez un ici. Vous en avez un autre là. Parfait. Puis un là. Et après, on va revenir sur nos pas. On va aller chercher ces deux derniers. Parfait. On revient sur nos pas. Donc là, vous en avez un en face, même deux. On va aller déjà chercher celui-ci. Hop. Un autre là. Et le dernier. Ici. Parfait. Donc ça, c'est fait également. Ici, on l'a fait. Ici, on va aller se TP là. On va voler, puis sauter. Donc là, clairement, rien de bien compliqué. On trouvera juste en dessous de nous. Là. Ok. Donc ici exactement, quasiment. Voilà, ici, parfait. Hop. Voilà, vous en avez un là, puis un autre là. On va essayer de pas se noyer. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va se TP là, et la dernière zone se trouve là, et ensuite, on fera la dernière île, donc l'île de Tsurumi, et on aura terminé, les amis. Donc là, on a quand même pillé une bonne quantité. Il me tarde de voir combien on en a pillé en réalité. Là, déjà, on est quasiment à plus de 10 minutes et quelques de temps de farm. On verra bien à la fin combien on aura mis de temps. Donc là, au lieu de partir à pied, on va prendre cette porte ici et on va se laisser porter. Vous allez voir, ça va gagner un temps fou puisque ça va nous envoyer directement là où on veut aller justement. Donc là, on n'a rien à faire hormis regarder notre personnage se déplacer. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y en a en contrebas. Ici. Parfait. Hop, vous en avez un autre là. Et un autre ici. Parfait. Ensuite, du coup, vous avez la suite qui se trouve en face là-bas. Normalement, on va pouvoir prendre un électrogranum. De façon à pas perdre de temps à nager bêtement.
Donc, vous prenez cet électrogranum ici. Ok. Voilà. Et vous avez les Ganoderma qui se trouvent juste face à vous, encore une fois. On va aller prendre celui de gauche dans un premier temps. Parfait. Un là. Un autre ici. Un autre là. Et pour terminer, le dernier ici. Voilà, parfait. Dès que c'est fait, eh bien, on a quasiment terminé. Il nous manque le dernier par là. On va se re-TP ici. On va longer la plage. Et puis après, on devra prendre l'électrogranum afin de le traverser. Quoique, je ne sais pas s'il y en a un ici. Je crois pas qu'il y en ait un. Donc, il va falloir traverser à la nage. Normalement, ça devra se faire assez vite. Il y a moyen qu'il y ait un électrogranum. Hein. C'est juste là, je le vois pas forcément. Pour gagner un peu de temps. Ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait pas. Donc là, vous en avez trois ici. Ok. En tout cas, moi, je le vois pas. Bon, bref. En tout cas, si vous avez de meilleurs yeux que moi, bah, va falloir le prendre. Bon, je vais traverser à la nage. On ira ensuite sur la droite. Ouf, c'était juste. Non, c'était très, très juste même. Donc là, sur la droite, vous en avez quelques-uns encore. Occurrence 2. Parfait, même 3. Un autre là. Let's go. Et ensuite, on va en phase. Donc là, directement, eh bien, vous... vous prenez, je crois qu'il y a un électro... Voilà, ici, là, voilà. On va prendre l'électro-granum qui se trouve juste là. Et on va pouvoir passer au-dessus de la montagne et aller chercher les derniers Ganoderma qui s'y trouvent. Et ensuite, on va aller sur l'île de Tsurumi. On aura terminé, les amis. Donc là, dès que vous êtes ici, on va prendre ce petit ponton. Let's go. Ici, on va aller en contrebas, garder un peu d'endurance, parce qu'ici, je crois pas qu'on ait pied. Donc ça serait bête de se noyer. Vous allez perdre du temps bêtement. Hop, un ici. Bien, on a juste à se diriger au-dessus. Enfin, du moins sur le Teco, là. Hop. Et vous en aurez, eh bien, je crois, 2-3 ici, encore une fois. Voilà, ici. Et on se dirige, du coup, dernière zone, en l'occurrence, ici. Puis ici, on aura fini, les amis. Et on regardera ensuite combien on en a pillé au total. Comme je l'ai dit hein, en début de vidéo, il n'y a pas la totalité des Ganoderma marins de toute la map. Mais ça sera quand même largement suffisant. On a fait quand même une grosse, grosse partie, mine de rien. Et ça vous suffira amplement pour faire du farming tous les 2-3 jours afin d'augmenter le level de votre Yae Miko ou encore de votre Kazuha. Sachant que Yae sort mercredi, vous pouvez déjà commencer à farmer dès que la vidéo sortira. En l'occurrence, certainement le lendemain du jour où je la tourne, donc le dimanche. Vous aurez largement le temps ensuite de pouvoir replier à nouveau des Ganoderma. Donc ça c'est bon. Dernière zone ici et on a fini les amis. Allez, on va en face. Donc là dès que vous arrivez dans cette zone, vous pouvez le voir qu'ils sont enfuis dans l'eau. Il va falloir se diriger vers eux, se poser juste au-dessus pour pouvoir les piller. Voilà. Pareil pour eux. Voilà, parfait. Et là, on a terminé sur cette petite zone. Ouais, let's go. Et les derniers sont là, face à nous. On va garder un peu d'endurance. Hop là, parfait. On a terminé, les amis. On va juste se poser ailleurs, histoire de ne pas se faire détruire par les mobs. Et on va regarder combien on en a pillé au total dans l'inventaire. Donc, inventaire, let's go. Et on en a pillé, eh bien, waouh, on en a 202. Ça veut dire qu'on en a pillé, eh bien, 115 au total, les amis, puisqu'on en avait 87, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ça, ouais, on en a pillé 115. Entre 15 et 20 minutes, je dirais. Et ce qui vous permettra, eh bien, de quasiment, en deux routes de farm, vous aurez la totalité requise pour améliorer, pour élever le personnage, un des deux personnages, en tout cas, du level 0 à 80+.
Donc voilà, j'espère en tout cas que cette route de farm eh bien, t'aura bien aidé, t'aura plu également. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit, ici tu retrouveras des routes de farm optimisées, des conseils et astuces en tout genre sur Genshin Impact. Et surtout, des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées et succès caché. J'ai également un Twitch, n'hésite pas à aller t'abonner, le lien de cette chaîne sera en description. Je suis également sur TikTok, le lien de ma chaîne sera en description. Je te souhaite un agréable jeu, un agréable farming sur Genshin Impact. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tchuss.